Bonjour, bonsoir, soyez le bienvenu. Je voudrais passer très vite au programme parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Alors j'aimerais bien d'abord vous dire que moi je m'appelle Yewande Odia. Je suis directrice et chef de bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies. Et je suis une femme très fière de l'être. Et une femme africaine en plus. Alors c'est avec vraiment grand plaisir que je voudrais dire, on va commencer cette symposium sur les innovations, nouvelles technologies pour une autonomisation transformative de la vie des femmes. Et nous sommes ici sur un thème très important qui nous réunit pour réfléchir davantage sur comment avancer la cause de la femme au Burundi. Le thème, c'est les innovations et nouvelles technologies pour une autonomisation transformative des vies de la femme. Tout de suite, nous allons poursuivre avec les présentations, différentes présentations qui seront faites par différents panélistes. Et pour le premier thématique, qui s'intitule « Accès au financement », nous aurons comme panéliste Madame Diane Jocelyne Wizimana, qui est chef de service inclusion financière à la direction de la supervision de la stabilité financière et de l'inclusion financière à la Banque de la République du Burundi. Vous êtes là, madame? Merci beaucoup. Et deuxièmement, nous aurons Madame Consolate Karuhiza, cadre fonds de microcrédit rural au ministère du Développement communal. Merci beaucoup. Et après, nous aurons Monsieur Thierry Nyonguru, cadre au Cooperative Rural Development Bank, CRDB. Merci beaucoup. Et enfin, nous aurons Madame Espérance Moussirimo, responsable du volet financement rural de tous les projets et programmes financés par le FIDA au Burundi. Merci, vous êtes là. Et là, ça sera sous la modération de l'honorable Sendazilasa Anousiat, deuxième vice-gouverneur de la BRB. Merci beaucoup. Pour la deuxième thématique qui s'intitule « Innovation et énergie », nous avons deux panélistes et un modérateur. La première panéliste, c'est Madame Spesini Hangaza, représentante légale de FVS AMA de Burundi. Merci beaucoup, elle est là. Nous aurons également M. Idesbald Chinamula Vuningoma, expert en énergie au bureau du PNUD en RDC. Il n'est pas parmi nous, mais on va pouvoir le suivre via un audio, en vidéo plutôt. Et ça sera sous la modération de Madame Yewande Odia, qui était la maîtresse de cérémonie, je crois. Quant à la troisième thématique, qui s'intitule « Nouvelles technologies de l'information et de communication », nous aurons deux panélistes. Il y a premièrement professeur Pierre Ndamama, expert national en TIC et qui travaille au Programme national de réforme de l'administration. Merci beaucoup. Nous aurons également Monsieur Jean-Vindy Zeye, chargé du programme Plaidoyer Communication pour le changement de comportement et point focal innovation au niveau de UNFPA. Peut-être il va nous rejoindre. Et ça sera sous la modération, encore une fois, de l'honorable Anousiata Sendazilasa, deuxième vice-gouverneur de la BRB. C'est quoi le MCPA? Le MCP est un programme de formation des groupes de solidarité parmi les pauvres économiquement actifs et leur octroi de microcrédit. Il s'agit donc d'un type de financement spécifique aux groupes désavantagés, en l'occurrence les jeunes, les femmes et d'autres vulnérables. Alors, comment se procède la mise en œuvre du MCPA? Nous organisons des séances de formation sensibilisation sur les notions de solidarité, la culture de l'épargne et la gestion de crédit.
À ce moment-là, se poursuit le choix d'IMF qui vont mettre, qui vont encadrer les bénéficiaires sur terrain. Ces IMF vont essayer d'organiser aussi des séances et de formation sur la constitution des groupes de solidarité. Ce sont des groupes qui comportent 5 à 10 personnes qui se choisissent mutuellement et puis se cautionnent moralement. Et après, il y a un encadrement et suivi de l'exécution des activités des groupements pour un bon remboursement. Donc, il faut que le crédit soit bien remboursé. Je vous ai dit qu'il y a 1575 femmes. Il s'agit du crédit que nous avons eu à travers le projet Pacte, donc du PNUD, d'un montant de 126 millions, où nous avons trouvé des femmes qui occupent 62,5%, c'est-à-dire les 1575 dans les 3 provinces. Il y a aussi les projets de plateforme multifonctionnelles qui permettent aux femmes d'avoir de l'énergie pour faire fonctionner des appareils qui leur permettent d'avoir des revenus, comme la recharge de batteries, les moulins à mil, etc. Donc ça, ce sont des projets qui se sont beaucoup développés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi des projets de briquettes, c'est-à-dire qu'on apprend, au lieu d'utiliser du bois, donc on fait de petites briquettes qui remplacent le bois. Donc, et ces briquettes sont beaucoup plus utilisées dans l'armée, dans les institutions où on utilise beaucoup de bois. Donc ici au Burundi, par exemple, avec le développement des saunas, les briquettes là devraient contribuer à remplacer petit à petit les troncs de bois qui sont utilisés. Donc, Noélie, je voudrais tout juste remercier tout le monde qui se sont investis pour organiser ce symposium qui est très important. Oui, il faudrait absolument qu'on puisse prendre du temps qui est suffisant afin de pouvoir discuter et encore une fois partager des expériences. Au niveau du gouvernement, à travers le ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, on est en train de penser à l'élaboration à renouveler notre politique, notre stratégie pour que la politique genre soit et intègre tous les aspects. Nous voudrions inviter tous ceux qui ont participé, ceux qui ont ces expériences, qui puissent les apporter. Nous allons vous contacter, soyez disponibles pour que nous puissions prendre vos expériences, les intégrer, afin que nous puissions avoir un travail qui va intégrer tous les aspects. Encore une fois, je voudrais vous remercier du profond de mon cœur, remercier ceux qui ont pris le temps pour faire des présentations, remercier le Sommet des Nations Unies à travers l'UNIFAM pour le travail, puisque organiser une telle activité, ça demande du temps, des moyens. Mais là, le slogan de mon ministère, c'est être efficace avec peu de moyens. Dès aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses avec ce que nous négligeons. Nous pouvons faire avancer la cause de la femme.